Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous propose un update de mes dernières lectures, donc mes toutes dernières lectures de février à vrai dire. Mais avant de commencer, je tenais vraiment 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 à vous remercier parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais on est déjà plus de 240 abonnés sur la chaîne. Merci, je suis trop heureuse, franchement ça me fait super plaisir et je suis super étonnée parce que j'ai l'impression que la dernière fois que je vous remerciais pour le fait qu'on était 50 sur la chaîne, j'ai l'impression que ça date d'hier alors qu'en fait ça date de courant janvier. Déjà j'étais super étonnée qu'il y ait 50 personnes qui soient intéressées à me regarder et à voir ce que je peux faire. Mais alors là, 240, c'est juste dingue, donc merci, merci, merci. Merci à ceux qui me suivent depuis le tout début et merci à ceux qui se sont abonnés récemment. J'espère que vous trouverez votre compte sur ma chaîne, que vous apprécierez ce que je fais et merci aux personnes qui régulièrement me laissent des petits commentaires en dessous de mes vidéos. Donc ça me fait juste super plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je me suis créée aussi un compte Twitter pour regrouper un petit peu les actualités à la fois du blog et de la chaîne YouTube, donc comme ça il y a les deux. Je vous mettrai soit en barre d'infos ou soit quelque part par là à l'écran le pseudo sur lequel vous pourrez trouver mon compte Twitter pour vous y abonner. Voilà, je pense que des fois aussi je raconte un petit peu ma vie, mais je suis tellement bavarde que je pense que ça n'étonnera personne. Je ne pensais pas du tout me faire un compte Twitter un jour, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, tout simplement parce que moi de manière privée, perso, j'en ai absolument pas besoin puisque j'ai déjà un compte Facebook qui me suffit amplement pour raconter ma vie. Je vais pas m'amuser à raconter ma vie sur Facebook, sur Twitter, sur je ne sais pas quoi, donc Facebook ça me suffisait. Mais après c'est vrai que maintenant que j'ai le blog et la chaîne, je trouve ça super pratique pour tout regrouper en un seul endroit, voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous m'y retrouverez et quoi qu'il en soit, merci encore une fois. Sans plus tarder, je vais vous parler de mes dernières lectures. Il y a très exactement 4 romans et une bande dessinée et vous allez voir que parmi les romans, il y a beaucoup de dystopie, beaucoup de post-apocalyptique, en bref, des genres et des thèmes que j'adore lire, mais en général, j'essaie de varier un minimum mes lectures. Et je ne sais pas, ça s'est trouvé comme ça dans mon planning lecture, de lire beaucoup de trucs un petit peu de la même sorte d'un seul coup. C'était pas un fait exprès, mais bon, au final, peu importe. Je vais commencer tout de suite par le premier livre. Il s'agit du premier tome de la trilogie Insaisissable, Ne me touche pas, de Taïré Mafi, qui est sorti aux éditions Michel Lafon. Ça fait tellement longtemps que j'ai la trilogie entière dans ma palle, que j'ai appris récemment, toute la trilogie était sortie en poche, donc je me suis dit punaise, il était vraiment temps que je commence à la sortir, d'autant que ce livre là que vous voyez ici, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année, donc franchement, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? C'est dingue! Alors pourquoi est-ce que je l'ai sorti maintenant? C'est tout simplement parce que en plus du challenge annuel, je vous avais déjà parlé, j'ai également un challenge bimestriel et j'avais comme consigne en février de lire un livre avec du rose sur la couverture. J'aurais très bien pu vous montrer et vous parler, si j'avais été un petit peu plus rapide pour le terminer, de Anna and the French Kiss, qui est, je vous en avais parlé, mon tout premier livre en VO. Mais tout simplement, je ne l'ai pas encore terminé, il me reste à peu près une centaine de pages à lire, donc voilà, je n'aurais pas pu vous en parler pour ce challenge-là. Mais du coup, j'ai sorti de ma palle ce mois-ci, Ne me touche pas, puisque la nénette, elle a une robe rose fuchsia. Donc voilà, il y a du rose sur la couverture et j'ai envie de vous dire, je l'ai échappé belle parce que très honnêtement, je n'avais pas d'autres livres dans ma palle qui possèdent du rose, donc tant mieux. Au niveau de l'histoire, donc il s'agit d'une dystopie, c'est l'histoire de Juliette qui est enfermée dans un asile psychiatrique depuis 264 jours très exactement parce qu'elle est un danger pour la population, elle a une espèce de super pouvoir, donc essayez de penser, je ne sais pas, aux X-Men ou à la série télé Heroes, moi ce livre m'a fait vraiment penser à ces deux choses là. Donc son pouvoir, c'est un pouvoir mortel, dès qu'elle touche une personne, le contact de peau à peau lui fait aspirer l'énergie vitale de sa victime jusqu'à la tuer. Alors ça m'a fait beaucoup penser à une autre trilogie que j'ai commencé d'un auteur français qui s'appelle Jean Vigne. La série s'appelle Nea Chronicle, c'est exactement le même pouvoir que possèdent les deux héroïnes. Pour autant l'histoire est super différente, c'est pas du tout traité de la même manière. Voilà, mis à part ce pouvoir, ces deux trilogies ne sont pas du tout semblables.
Donc Juliette, comme je vous le disais, est enfermée dans cet asile psychiatrique. Elle va en être sortie par Warren, qui est un militaire haut gradé, qui est le chef de toute une unité de soldats. Il va s'emparer d'elle, un peu comme on s'empare d'un trophée, j'ai envie de vous dire, pour se servir de son pouvoir pour mater en fait les rebelles, l'opposition. Il veut se servir d'elle en fait voilà, comme un bourreau plus ou moins. Donc voilà, Warren c'est un personnage que j'ai adoré détester, il est très profond, il a une personnalité vraiment complexe. Il y a un deuxième personnage masculin qui s'appelle Adam, qui est un ami d'enfance de Juliette, son seul ami à vrai dire. Et ce qui m'a vraiment étonnée dans ce livre, c'est qu'il s'agit ni plus ni moins d'une romance. Je ne pensais pas que la romance allait prendre une telle place dans l'histoire, mais au final ça m'a pas plus dérangée que ça, parce que je suis tout simplement à fond dans le couple Adam-Juliette, même si je me dis voilà, il reste deux autres livres, on va pas se voiler la face ma cocotte, à mon avis ça a pas mal évolué tout ça, mais bon. Ça reste une très bonne histoire, le rythme est très soutenu, j'ai pas vu les pages défiler, en plus il est assez rapide à lire. Il y a combien de pages? Il y en a moins de 400. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette histoire, je suis absolument obligée d'en parler, c'est le style d'écriture de l'auteur qui est très poétique. Elle utilise beaucoup de figures de style, des métaphores, moi j'ai pas du tout trouvé ça lourd, absolument pas. Et elle se met vraiment à fond dans la psychologie de son personnage, c'est-à-dire qu'au début de l'histoire, quand Juliette est enfermée, ça fait presque un an qu'elle n'a pas adressé la personne à qui que ce soit, qu'elle n'a pas vu d'être humain, et du coup ses pensées ne sont pas du tout cohérentes, et elle exprime des choses, il y a beaucoup de mots et de phrases barrées, c'est-à-dire des choses qu'elle pense mais qu'elle ne s'autorise pas vraiment à penser. J'ai trouvé ça juste super original. Alors cette originalité, j'ai bien conscience qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde. En fait ce livre, je pense que soit on le déteste, soit on l'adore, mais ça doit être très difficile de rester tout simplement mitigé. En tout cas pour moi ça a été un vrai coup de cœur. Je vais lire le tome 2 à la fin du mois et j'espère tout aimer, tout autant aimer que pour ce premier tome, voilà. Ensuite, j'ai lu une lecture qui, pour le coup, c'est une lecture assez mitigée. J'ai lu en lecture commune avec Althea. Il s'agit du joyau d'Amy Ewing. C'est encore une dystopie. J'adore vraiment cette couverture. C'est la même illustratrice que celle qui a fait les couvertures de la sélection, qui est également sortie dans la collection R de Robert Laffont, que j'ai toujours pas lu, mais j'espère que ça arrivera bien un jour. Voilà, ce qui m'a vraiment intriguée avec ce livre, c'est le sujet. C'est un sujet vraiment original qui promettait une histoire vraiment trépidante et glauque, puisque c'est dans une espèce de royaume contrée dystopique. Imaginez en fait un cercle. Aux abords extérieurs du cercle, c'est la pauvreté, et plus on se rapproche de l'intérieur du cercle, plus la richesse prédomine, jusqu'au centre du cercle où c'est le joyau. Donc les comtesses, les duchesses, voilà, vraiment la royauté. Et ces femmes-là, en fait, ne portent pas leur enfant elles-mêmes dans leur ventre. Elles achètent dans une vente aux enchères une mère porteuse pour porter leur futur enfant. Voilà, je trouvais ça juste ouf comme sujet. Mais malheureusement, il y a des petites choses qui m'ont chagrinée dans ce livre, comme par exemple des espèces de clins d'œil, on va appeler ça comme ça, un peu trop appuyés à la trilogie Hunger Games, avec par exemple deux personnages qui ont été vraiment littéralement pour moi copier-coller, comme la gouvernante Muette ou encore le préparateur de la vente aux enchères qui m'a vraiment fait penser à Sina. Enfin, c'est un peu dommage pour moi, c'est un peu un manque d'originalité. Je pense que l'auteur aurait pu éviter ces rapprochements-là. Voilà, c'est vraiment dommage. C'est comme si elle manquait d'imagination alors que le sujet du livre au contraire est super inventif. Donc voilà, ça fait un petit écart, c'est bizarre. Autrement, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Le style d'écriture est vraiment très visuel. Je me suis tout de suite projetée dans cet univers qui est vraiment satisfaisant à tout point de vue. C'est la cour, les intrigues, les complots. On a le personnage de la duchesse qui a acheté donc l'héroïne comme mère porteuse. L'héroïne qui s'appelle, j'ai déjà oublié, Violette. Voilà. La duchesse, c'est un personnage, pareil, que j'ai adoré détester, qui est vraiment très complexe. Quant à Violette, l'héroïne, bah, j'ai trouvé un petit peu fade, voilà. Elle a une meilleure amie et très honnêtement, j'ai préféré sa meilleure amie à elle et j'aurais beaucoup plus vu sa meilleure amie comme personnage principal. Voilà, donc c'est pour vous dire. Et ce qui m'a vraiment déplu par-dessus tout, c'est la romance. La romance qui arrive comme un cheveu sur la soupe vers les trois quarts du livre.
voilà, en gros, Violette voit un mec et elle en tomberait dingue, ça lui tombe dessus comme ça, en plus c'est réciproque, je veux dire, il n'y a aucune difficulté là-dedans. Le type en question, je l'ai trouvé fade, mou du genou, oh là, mais vraiment, il apporte rien du tout à l'histoire. Et j'attends qu'une chose, que dans la suite, dans les tomes 2 et 3 de cette trilogie, elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, parce que là, je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, ça m'a vraiment perturbée dans ma lecture. Heureusement, la fin se termine d'une manière que je n'avais absolument pas vue venir et qui me donne très envie de me plonger dans la suite. Alors la suite sortira pas tout de suite en France, je crois, mais le tome 2 est prévu en anglais dans les mois qui viennent, il me semble. Voilà, la couverture a été révélée il n'y a pas longtemps. Donc pour moi, j'ai mis un 3 sur 5 à cette lecture parce que c'est agréable, mais sans plus. Ensuite, j'ai lu Enclave, qui est le premier tome d'une trilogie écrite par Anne Aguayer, sortie chez Black Moon. J'aime pas trop les couvertures des livres de chez Black Moon, parce que vraiment, je les trouve un peu trop noires, un peu trop sombres, un peu trop minimalistes. Enfin voilà, je suis pas très fan. Par contre, il faut vraiment pas se fier à la couverture, parce que ce qu'il y a dedans... c'est vraiment génial. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, je crois que j'ai mis la note de 4 sur 5, mais c'est une dystopie qui se lit très facilement et qui m'a complètement transportée. Alors Enclave, qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé que c'était une dystopie originale parce que ça se passe, du moins dans la première partie du livre, sous terre, dans des souterrains. Je me suis sentie hyper oppressée parce que c'est un univers très sombre où il faut vraiment se fier à... tous les autres, voilà, à l'ouïe, plein d'autres sens, mais pas que la vue, pour essayer d'y survivre. Alors il y a une espèce de communauté qui s'appelle justement l'enclave, d'où le titre, qui m'a fait penser un peu à une ruche d'abeilles, c'est-à-dire que toutes les réserves, toutes les ressources sont vraiment mesurées, quantifiées pour chaque personne, et il y a des fonctions clés pour apporter son aide, apporter sa pierre à l'édifice. Donc on a les chasseurs, on a les ouvriers... et on a les géniteurs. Donc inutile de vous expliquer la signification de ces trois fonctions qui sont assez explicites de par leur nom, mais chaque fonction est censée, voilà, apporter quelque chose à la communauté. L'héroïne s'appelle Trèfle, elle est chasseuse et elle a comme coéquipier donc le personnage masculin principal qui s'appelle Belle, et à eux deux, leur rôle c'est de ramener de la nourriture et de faire des patrouilles dans les souterrains pour éradiquer les monstres qui sont sanguinaires, qui se nourrissent de chair fraîche et qui pullulent de plus en plus dans les souterrains, voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Je m'attendais pas trop à ça, en plus quand j'ai commencé ce livre, je me rappelais plus du tout de quoi ça parlait, tellement ça faisait longtemps que pareil, je l'avais dans ma palle. Le rythme est très soutenu, pour moi c'était vraiment un page-turner parce que je voulais toujours savoir la suite, ce qui allait se passer après. Mais ce qui m'a retenu de lui mettre un 5 sur 5, c'est que la deuxième partie du livre change de rythme. On est plus dans quelque chose d'un peu plus classique, d'un peu plus déjà vu. Le rythme, c'est pas qu'il devient plan-plan, mais il est beaucoup moins haletant, on va dire. Il y a de nouveaux personnages qui font leur apparition, ils sont intéressants, mais pareil, ça sentait un petit peu le déjà-vu. Malgré tout, ça reste une super bonne dystopie que je recommande, et c'est avec plaisir et envie que je lirai la suite. Il me reste un dernier roman à vous présenter avant de vous parler de la bande dessinée. Il s'agit de... In the After de Demetria Luneta, et c'est mon premier roman que j'ai lu de chez Lumène. Je comptais pas du tout le lire en février, je me suis dit que j'allais lire en mars ou après, mais j'ai appris en fait que j'allais recevoir le tome 2, donc certainement en avant-première dans le cadre d'un partenariat avec cette maison d'édition. Donc je me suis dit que je pouvais pas me permettre de recevoir le tome 2 tant que je m'étais pas mise à jour sur le tome 1. Donc c'est pour ça que je me suis précipitée dessus. Je ne le regrette pas, c'est mon troisième coup de cœur de l'année. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai été super prise par ce livre. Oh, il est vraiment mais dingue, dingue, dingue. Donc c'est encore un univers post-apocalyptique que j'affectionne tant. La Terre est envahie par des monstres qui sont amateurs de chair humaine. Et en moins de deux, il reste très peu d'hommes sur Terre. L'héroïne s'appelle Amy. Elle vit dans une maison qui est entourée
d'une barrière électrique, donc qui maintient un petit peu les monstres à distance, puisque les monstres sont très sensibles à l'électricité, à la lumière. Voilà, plein de choses comme ça. Et donc ça va être un petit peu l'histoire d'Ami, de sa survie. Très rapidement, elle va faire la rencontre, quand elle va plus avoir de provisions, qu'elle va être obligée de piller les supermarchés alentour pour pouvoir se nourrir. Elle va faire la rencontre du deuxième personnage principal qui s'appelle Baby, qui est une petite fille de 3 ans qu'elle va prendre sous son aile. Mais comment ne pas craquer devant Baby, devant leur duo à L2. Elles m'ont vraiment bouleversée toutes les deux. Et elles sont dans un monde où il faut absolument pas faire de bruit, parce que sinon tous les monstres rappliquent dans la seconde. Donc elles vont développer à L2 le langage des signes pour pouvoir communiquer. Je vais y arriver. J'ai trouvé ça super original. C'est tellement haletant comme ambiance, ce livre, que je me suis surprise à retenir à plusieurs reprises ma respiration, tellement j'étais mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce qui va se passer. Voilà, moi j'adore les histoires comme ça, je suis une grande fan de The Walking Dead et tous les trucs de zombies post-apocalyptiques, etc. Alors que je suis sûre et certaine que dans la situation d'Amy, il y a bien longtemps que je me serais fait bouffer, il y a bien longtemps que je serais morte parmi les premières, tellement je n'ai aucun instinct de survie. Mais bon, voilà, j'adore voir comment les autres survivent, malgré que je sois une chuchote, malgré que le sang ça me fasse peur, tous les trucs comme ça. Et ben voilà, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer là-dedans, et franchement j'ai pas été déçue, c'était juste génial. Alors c'est vrai que, un petit peu comme le livre que je vous présentais tout à l'heure, Enclave, c'est pareil, on a une deuxième partie où le rythme change un petit peu. J'étais tellement dedans qu'en fait je me suis pas dit que ce qui allait se passer ça aurait pu être prévisible. Vraiment, je lisais les choses, mais comme elles venaient, je ne me suis pas posé de questions. C'est vrai qu'en prenant du recul, je me suis dit, j'aurais pu m'en douter. Mais voilà, j'étais tellement dedans que, je le répète, je ne me suis posé aucune question. J'ai lu comme ça venait. Je me suis douté de rien du tout de ce qui s'est passé. Mais c'est juste dingue, je ne peux pas trop vous en dire, parce que sinon je spoilerais tout, ce serait juste horrible. Mais je ne sais pas comment vous convaincre de vous procurer ce livre si ce n'est pas déjà fait, mais... Voilà, ça a été vraiment une très 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 bonne surprise. Voilà, donc lisez-le si vous en avez la possibilité. Il me reste un livre à vous présenter, c'est la bande dessinée en question, et sans grande surprise, il s'agit du tome 2 des carnets de cerises que je me suis acheté en début de mois, donc il m'a pas fait long feu, c'était prévu. Donc le tome 2, c'est le livre d'Hector. On a encore une superbe couverture, mais cette BD me rend dingue tellement les designs, les dessins sont beaux. Comme je vous en parlais en début de mois, je ne vais pas trop revenir là-dessus, on a encore une alternance, une page de bande dessinée avec quelques notes, comme bah, son journal intime en fait. Hein. Les dessins sont encore super agréables à l'œil, et cette bande dessinée m'a encore plu que la première. La première, c'était un peu la bonne surprise de la découverte, c'était très poétique. Et celui-là, c'est moins poétique, mais c'est super émouvant. En plus, ça m'a touchée parce que ça parle de livres. J'adore les livres. Les livres, c'est ma passion. Et voilà, c'est sur les sentiments entre les êtres humains, c'est sur l'être cher et perdu, c'est sur la mémoire. Enfin, j'ai pas envie de vous raconter de quoi ça parle, mais voilà, je vous donne quelques mots clés pour vous aiguiller si jamais vous n'avez pas encore lu ce livre. C'était très beau, franchement ça m'a serré le cœur. Quand j'ai terminé ma lecture, j'ai une petite boule, je me suis dit oh là là, c'était beau, c'était tellement beau. Franchement, si chacun de ces tomes est à chaque fois mieux que celui d'avant, mais c'est juste incroyable. Je suis juste super pressée de commencer à... Enfin, de m'acheter déjà, dans un premier temps, le troisième tome, puis de le lire. Voilà, je vous montre un petit peu quelques planches. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je l'ai lu maintenant il y a 2 semaines à peu près. Et j'ai rien oublié de cette histoire tellement ça m'a touchée. Donc c'est pour vous dire. Voilà, je vous montre encore cette double page. Et puis... Après, on arrête, parce que ça ne sert à strictement rien si je vous montre tout, bien entendu, sinon vous ne lirez pas. Voilà, et bien écoutez, c'est avec cette bande dessinée que je conclue cet update lecture. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop longue, ça m'inquiète un petit peu. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à la semaine prochaine, puisque j'attends de pied ferme ma commande Amazon. Voilà, pour vous présenter tout ça dans un prochain book haul. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.